Bonjour et bienvenue en Provence Pays d'Arles. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du patrimoine vinicole du territoire des Alpilles, des Bois de Provence et de Camargue. Alors, monsieur Malossi, vous pouvez nous expliquer un peu dans quelle parcelle on se trouve, quel type de cépage on a? Non, nous sommes dans une parcelle de grenache blanc sur la commune d'Aiguières, donc sur un sol extrêmement caillouteux, très filtrant, vraiment très ensoleillé. On est sur des vignes qui ont à peu près 25 ans et vous voyez qu'ils sont dans l'optimum de leur production. Elles ont un bel arancidement, un joli feuillage. La qualité du sol qui est filtrant, en quoi comment ça se répercute sur le vin? Mais ça donne déjà un rendement qui est naturellement limité, donc un potentiel qualitatif qui est plus important. Et les vignes sont obligées de faire l'effort d'aller profondément dans le sol. Donc on a une expression du terroir qui se manifeste peut-être davantage que dans des terrains plus humides, voilà, où la vigne a peut-être besoin de faire moins d'efforts pour puiser ces éléments minéraux et l'eau dont elle a besoin. Les Alpilles, c'est un territoire extraordinaire avec des collines calcaires déchiquetées, bien marquées, qu'on reconnaît évidemment dans le paysage. Elles ont façonné évidemment les sols autour d'elles avec des pH plutôt élevés. Un terrain très adapté pour la viticulture et la culture de la vigne. Et nous sommes sur le territoire de la dénomination d'indication géographique protégée Alpilles. C'est une dénomination très porteuse qui est vraiment complémentaire aux appellations d'origine protégée et qui permet d'utiliser des cépages différents, qui permet de produire des vins qui peuvent sortir un peu des sentiers battus et qui se différencient un petit peu du cahier des charges des appellations. Et une des particularités aussi par rapport à d'autres territoires de Provence Pays d'Arles, c'est qu'on produit bien sûr du vin rouge, du rosé, mais aussi du blanc. Tout à fait, on produit beaucoup de rosés, hein, comme dans l'ensemble de la Provence, mais on a une prédominance également des blancs et des rouges qui sont peut-être plus produits que dans le reste de la Provence. Donc je pense qu'on est sur des types de produits qui restent relativement frais et élégants. Aujourd'hui, on est une appellation donc, de 12 vignerons et nous sommes 11 vignerons sur 12 en bio, sachant que 12e est dans le même esprit puisqu'il est en culture raisonnée. Nous n'avons pas le droit à un rendement au-delà de 50 hecto-hectares, mais finalement, on s'aperçoit chaque année que nous avons des rendements qui tournent plutôt autour des 35 hecto-hectares et des 40 hecto-hectares. Mais donc, on a des vins qui sont quand même très concentrés, des belles grappes, et ça donne des vins, des rouges très structurés, très aromatiques, très marqués par le fruit, les fruits rouges et assez quelquefois explosifs. D'accord. Il faut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, les gens boivent beaucoup moins de vin, donc ils achètent moins, mais ils achètent beaucoup mieux. D'accord. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est important de privilégier la qualité voilà. de vos vins. On a des clients voilà. qui sont connaisseurs, exigeants. Exactement. Quand on a une vigne qui a trop de raisins, on va faire une vendange verte pour que les quelques grappes qui restent puissent vraiment bénéficier de tous les bienfaits de la plante et pas nourrir. Voilà. Mais ça, bon, ça dépend aussi du sol, ça dépend de tas de choses. Hein. Vous pouvez planter. C'est un vrai travail d'élevage, quoi. Au niveau donc des gens qui viennent vous voir, est-ce qu'ils sont plutôt d'ici, plutôt de l'étranger? Qu'est-ce qu'ils vous achètent? Alors écoutez, il y a énormément d'étrangers, il y a beaucoup de passages, il y a des Européens, il y a beaucoup d'Américains, il y a des Australiens. Nous commençons depuis quelques années à avoir quelques Chinois. Qu'est-ce qu'ils recherchent le plus? J'aime préférer le rouge, le rosé, c'est très variable. C'est très variable. L'été, on vend beaucoup plus de rosé parce que c'est beaucoup plus facile à boire. Mmh. Mais ils recherchent aussi beaucoup des rouges, parce que là où c'est des beaux, il est quand même très réputé pour ses rouges de garde. Et même sans vraiment acheter, ils s'intéressent. Et pour nous, ce qui est important aussi, si vous voulez, bon, c'est très sympa qu'ils achètent, mais c'est aussi sympa qu'ils s'intéressent, qu'ils apprécient, parce qu'après, ils vont en parler à des amis, ils vont leur faire partager les deux bouteilles qu'ils ramènent.
Voilà, donc c'est convivial, c'est, donc c'est, ça aussi c'est important. Au revoir les Alpilles, bonjour la Camargue, un nouveau terroir, cette fois-ci influencé par le Rhône. Donc ce style de vin rouge qui vous a plu, c'est un rouge d'un cépage qui s'appelle Marcelin. Et le Marcelin, c'est le croisement du Grenache et du Cabernet Sauvignon. Voilà. C'est un nouveau cépage qu'on a depuis une vingtaine d'années. Voilà. Monsieur Michel, est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on se trouve? Donc là, on se situe en Camargue, entre les deux bras du Rhône. Pas très loin d'ici, dans le sud, nous avons l'étang du Vaccarès tout proche. Et bon, à une quinzaine de kilomètres, nous avons la mer. D'accord. Donc, ce qui fait que avec les différents bras du Rhône qu'il y a eu, on a des altitudes de terrain très différentes. D'accord. Et ce qui fait aussi qu'on peut avoir des rizières d'un côté, voilà, plus basses avec de l'eau, et des vignes qui sont... Et des vignes, là, on est sur une altitude de 3 mètres. Mm-hmm. C'est pas grand-chose. Non, oui, voilà. Mais on est sur une texture de terre qui est beaucoup plus sableuse. Donc, quelle est la particularité de cette terre de Camargue? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a plusieurs sortes de terres. Des terres qui sont plus sableuses, moins sableuses, oui, du limon, un peu plus de limon, un peu moins de limon, un peu d'argile. Et tout ça fait que le vigneron va adapter ou choisir sa variété, oui, comme il entend. Donc finalement, vous êtes regroupés et en même temps, chacun, vous gardez vraiment votre savoir-faire, votre type de... Voilà, bon, on échange beaucoup entre vignerons. D'accord. Au niveau de l'IGP Terre de Camargue, on a la possibilité de planter ou d'avoir sur son vignoble les anciens cépages méditerranéens que beaucoup de personnes ont, hein, des grenaches, on retrouve des aubaines, des cinceaux, du carignan. Mais bien entendu aussi, on a planté du merlot, du cabernet sauvignon et d'autres cépages, d'autres nouveaux cépages qui ont maintenant une vingtaine d'années. Voilà, on a un joli petit panel de cépages pour faire soit des vins de cépage, soit des assemblages de vins de cépage, tout en gardant une certaine fraîcheur pour les vins rosés et pour les vins blancs. Et quelques producteurs, dont je pense que la majorité fait partie, de faire des jolies cuvées de rouge aussi. Donc là, on est sur une parcelle de cépage Marcelin. Donc tout à l'heure, je parlais de nouveaux cépages. Mm-hmm. Le Marcelin, c'est un croisement de Cabernet Sauvignon et de Grenache. Ça a des petits grains, les grappes sont un peu allongées. Voilà, j'espère vous avoir donné l'eau à la bouche et des fourmis dans les jambes pour sillonner les terroirs vinicoles de Provence, pays d'Arles. Régalez-vous avec modération et à bientôt.